La vue est sans contredit imprenable. Check, ça a l'air simple. Il y a un trou vers l'enfer, sacrement. On est dans le milieu du bois, on n'a pas d'eau, pas de bouffe, fuck all. Dites pas ça. Bon, à base, on prenait le véhicule à G pour se rendre. La pustule! On a décidé qu'on allait pogner le char à Sam, finalement. Finalement, faudra pogner ton char. Évidemment, comme à l'habitude, le char à Sam aussi avait des problèmes. On pense qu'il y a une crevette. T'es pas sérieux, là. C'est pas normal qu'il soit à moins de 20. Tabarnak. Sérieux, ça a pas de sens. À chaque fois qu'on veut partir, il faut tout le temps qu'il y ait des problèmes. C'est vrai qu'on se prend jamais vraiment d'avance, par contre, là. Finalement, problème résolu, le char à Sam est opérationnel. Fait que tandis qu'on attend que les pneus se gonflent, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On s'en va aux chutes, Jean Larose. Pour faire quoi ensuite? Du camping! S'amuser toujours, s'amuser plus encore. Ça devrait être beaucoup trop sec, fait que let's go, c'est parti! Là, on essaie de trouver les chutes en se fiant juste au GPS parce que c'est vraiment pas de quoi de clair et précis. T'as trouvé la trail? On arrive! On descend ça sur la grosse guille, puis on y va, on fonce! Mets ton 4 pattes parce que ça va shaker par-ci par-là! Oh my god, what? La vue est impressionnante! C'est des marches. C'est imprenable, là. On l'entend. C'est imprenable? C'est imprenable! Pas de prise de sens! Ben non! On a le déjeuner compris! Oh mon dieu, on a le déjeuner! C'est vraiment okay. Cochon. Pour vous, mes frères. C'est croustillant. Ah, oh, c'est bon à mort. Sérieusement, je suis pretty stoked. Ça n'a aucun sens, c'est malade la place. Maman, ton garçon, il est très content d'avoir trouvé la place. Ok, mais là, vous comprenez pas à quel point ça pique. Je sais pas si vous pouvez le voir, je suis quasiment au-dessus de vous, les gars, oh, en ce moment. Sais. C'est ridicule. Je dirais un angle de 75 degrés. Ah, oh, pas moins, ça, pas moins. Sacrement. Pour vrai, dans qu'est-ce qu'on s'embarque? C'est complètement abandonné, cette structure-là, là. J'ai combien de hôtes que tu fais à descendre? Ah non, hey, check le fond, Sam, c'est rugueux que le bout du bat. Maman, vient tout juste de patcher mes pantalons. Ok, les gars, prenez une seconde pour genre réaliser où est-ce qu'on s'en va, comment c'est complètement malade. On s'enfonce dans le bois, qui est complètement noir. J'adore, c'est genre une exploration nocturne. On a une décision à prendre, gauche ou droite, qu'est-ce que vous choisissez, boy? Jay, il a déjà l'air d'avoir choisi. Allons-y vite, allons-y voir, alors. Le consensus, ça a été vite fait. Tu étends l'oreille, Sam, là, ça prend pas 2 secondes, là. C'est vrai, on y va à l'oreille, on l'a dit tout à l'heure. Il y a des pièges à con un peu partout. Checkez-moi ça le planche! C'est des madriers, c'est solide, oui, je comprends, mais sacré bleu. C'est une sacrement de farce, là. C'est de la grosse boîte sale en plus. Et bonté divine, checkez-moi ça l'escalier, sacrément, il est tellement croche! Je suis sûr qu'ils peuvent pas comprendre à l'image à quel point c'est à pic. Je sais pas si à l'écran vous êtes capable d'entendre le son des chutes, mais là on s'en rapproche fortement. Ça a pas de sens. Ta vie ne tient qu'à un fil en ce moment. Fait que check tes pieds bien comme du monde. Check, ça a l'air simple. Il y a un trou vers l'enfer, sacrement. Vous comprenez pas à quel point? Ok, c'est bien malade. On va-tu? C'est quoi là qui se passe? On est où? Ça a pas de sens. C'est le vide. C'est le vide. C'est malade par exemple. C'est quoi cette structure-là? C'est pas, mais ça monte haut là. Il y a pas de tour en haut. Finalement, on a décidé de virer de bord. C'était absolument beaucoup trop sketch. Hey, c'était tellement escarpé. Ça n'a aucun sens comment c'était à pic, c'est ridicule. Okay, on a trouvé la place qu'on va, planter notre tente. Loin d'être parfait, mais on va faire un peu de débroussaillage, puis on s'installe là, quoi. Regardez-moi ça, comment c'est de toute beauté. Mais sérieux, c'est une tente passe partout, ça n'a aucun sens. Elle rentre entre 2 arbres. What the heck? Suivez-nous! On est dans le milieu du bois, on n'a pas d'eau, pas de bouffe, fuck all. Dites pas ça, c'est vrai? On est bien équipé pour elle, on a de l'eau en masse. Maman, inquiète-toi pas, je suis correct. Bon, sur ça, on est installé pour la nuit. Ok, fait qu'on se laisse là-dessus, puis on se retrouve demain, mes grands crises de chumas bombasse. Évidemment, personne n'avait emmené de matelas, on a donc très bien dormi. Faux! J'ai mal dormi en chien vache. J'ai dormi assis comme si je m'étais fait fister toute la nuit. Il y avait de la bosse ici, mon gars, ça n'a aucun sens. As-tu bien dormi? Moi, ouais, j'ai bien dormi. Ouais? Non, pour vrai, j'ai bien dormi, moi. Hein? Regardez, comme ça. Comme un vulgaire bébé! Ah. Oh, what? Regardez comment c'est jojo! La nature, c'est beau, c'est beau!
descente de nuit, c'est clairement pas la meilleure des idées. On l'a fait, mais c'est pas recommandé. Mais quand même, c'est une expérience, puis on l'a réussi. Là, on est en direction du top pour aller chercher de la bouffe, de l'eau, s'équiper, puis après on se met en maillot, puis on va se baigner. Let's go, mes refs. Sam! C'est-tu à pic? Juste un peu. Checker la station d'observation. Où est-ce qu'on était hier sur la plateforme, que c'était beaucoup trop sketch. Checker la hauteur, tabarnak! Ça a pas de sacré bleu de sens, on t'aiderait là. Le plywood est pourri à grandeur. C'est là-dedans qu'on passait hier. Un trou vers l'infini. Oh my god. La planche. Je vais aller faire un petit tour de rien du tout. Juste aller voir la vue là. Petite affaire de rien du tout. Checkez-moi les petits peureux qui sont restés en bas. Let's go, mes refs. Donnez-moi de l'eau, quelqu'un. On a plus d'eau, Sam. Go! Faut se rendre en haut, on arrive. Ah, il est bon. Les électrolytes descendent, c'est tellement bon. Ça fait du bien, par où que ça rentre, mon chum. Oh oui, santé à vous. Jusque là, nous autres, dans le fond, là. Mais là, on est ici. Regarde, de même, on voit bien l'angle là, de la pente. Oh, let's go, boy! On est arrivé au campement, mes frères! On pourra juste pas parler avec ça, là. Et... Ça va, il y a plein d'eau là. Ok, c'est parti. Wouh! C'est malade, sérieux. On a fait ça à l'eau, c'est froid là. Tabarnak, je le sais, ça explose. Oh! Tabarnak! Est-ce que tu m'en sais? What the fuck? What the fuck? Ah, c'est congelé! Ah! Descends, t'as trop près! Oh my god, que c'est frais! C'est ben trop frais, ce saut-là! Cet escalier-là, il est approuvé par la CSST. Si bien sûr, tu mets un harnais, un casque, des lunettes. 100% sécuritaire. Bon, fait que c'est l'heure de manger, on s'est trouvé un méga spot. Trouvez le spot du siècle, sans face, là. Regardez-moi ça. Ça n'a pas de sens là. Qu'est-ce que tu veux de plus? C'est fait qu'on a le siège pour manger. Rockefeller, mort de rire. Sérieux, je suis mort de rire. Nous nous sommes donc installés dans ce petit coin de paradis pour relaxer, prendre notre temps, chiller quoi. C'est un cumulatif de tous ces petits moments mémorables qui nous font réaliser que... Christ qu'on est bien en vacances!
complètement dégueulasse. Oh non! Ça! Oh, oh, c'est wow. Dégueulasse, ça a l'air de... Oh, wow. Attends, t'es dedans de moi. C'est complètement dégueulasse. Donc, on est rendu à la miraculeuse course de croque et sandales. On va mettre ça en haut. 1, 2, 3, go, c'est parti jusqu'en bas. Hey, tonton Antoine, quand tu fais le montage, là, ça va partir. Tu nous mets les trois petites lumières Mario Kart. Ça part, allez. Let's go. Deuxième position, moi. Non. Jay a été disqualifié. Non. Il a transporté sa Google qui était coincée à l'autre clip de bout. Il a fait un peu de portage, mais ça n'a jamais tué personne. Bon, regarde, c'est ma faute, c'est plus rapide que celle de sens. Il n'y a aucune chance que j'embarque dans cette ville. C'est le jeu, mon pauvre enfant. Tu n'avais qu'à pas y jouer. Maintenant, mange la moutarde ou meurs. C'est tellement bon. C'est direct là qu'on s'en va. La vue devrait être imprenable. Let's go bro, on arrive. C'est pas ce que j'aime le plus à faire. Oh, non, mais c'est pour des bonnes causes là. Non, c'est beau la vue. Wow. Oh, non, mais quand même, la vue est sans contredit imprenable. Coucou, tabarnak. Checker comment cette belle petite bête est apeurée. Non, je suis correct. Ah, ok. Sam, tu peux te décoller de l'échelle un peu, là? Non. C'est sûr, la place est malade. Bon, après avoir longé la rivière jusqu'au barrage, on est revenu au camp, boire un petit gourou, profiter de la vue, relaxer parce que on avait une autre ascension à faire, enfin, la dernière de la fin de semaine. Ouais, on n'avait pas le choix parce qu'on avait Arjun et Arjun à manger pour le souper. De retour au terrain de camping, c'est l'heure de souper. Évidemment, quand on quitte, on laisse aucun déchet. Sans trace, les amis, sans trace. Sam, comment t'as trouvé ta journée aujourd'hui? C'était le fun jusqu'à la soirée, là. Sérieusement, tout ce que je dis, vous m'apprenez. Tout ce que je dis, vous m'apprenez. Décollez, bonne soirée jusqu'à demain matin. Bonne soirée. Sans force, c'était cool, là. La chute est... L'emplacement est vraiment sick. L'emplacement est vraiment sick, là. Si c'était pas des hosties... Bon, ben, je pense qu'on va se laisser là-dessus. Non! Bon, c'est l'heure de se lever, mais ref. Non, mais pour vrai, là, c'est quoi qui se passe? J'ai mes gars de l'équipe tantôt. What the fuck? Sam, t'es sacrément de fleur de range dégueulasse. Tout le monde s'est couché, Sam s'est réveillé pendant la nuit pour s'éplucher une orange. Mais là, j'aime mes oranges, moi, je les aime! On est dimanche, dernière journée, on repère nos affaires, puis on entame la montée. C'est. Parti. Ciao! Sacrement qu'on est bien! Il fait genre 15 degrés, mais c'est frais, c'est confortable! C'est complètement fou! On doit maintenant défaire le campement qui était si bien situé. On dirait qu'on est genre deux fois plus paqué que quand on est arrivé parce qu'on a fait 3-4 allers-retours, pis on a ramassé du stock au fur et à mesure, hein? Fait qu'on est loadé, mon gars, comme ja, complètement ferrant. Ce sacrement de montée-là m'a tué à petit peu. Là. Un peu loadé par contre, hein? Juste un peu. Sam, t'es un genre de petit mulet en ce moment. Sam, tu vas l'avoir, je te jure. C'est la troisième fois qu'on monte la côte. Puis je pense que ça commence à paraître. On est obligé de prendre une pause dans le milieu. Ouh. Surtout que là, on est loadé. Loadé comme des guns.
Ça a aucun fucking sens. Yo boy, on l'a eu. Ça va être à la dure, on l'a eu les boys. Let's go. Pour le vlog, grindé. On veut des phrases de motivation, Jay. Le grindé, on regardait un pas devant l'autre, on regardait pas le résultat, on regardait chacun nos petits pas, on est réussi, des réussites. On est arrivé au top, l'objectif, mon homme. To the moon. Let's go. Woo! Oui! Là. Dernier au revoir pour la caméra. Au revoir, mes chers abonnés, et on se revoit au prochain vlog! Ciao! Ciao!